le registre pour gérer la protection. Voilà, il n'y a pas d'autorisation. Mais alors, renseignez. Alors, je vais vous dire quand même. Pourquoi Mme Arnaud enregistre? Mme Arnaud enregistre depuis octobre 2009. Depuis octobre 2009, suite au fait que M. le maire racontait des mensonges, j'ai décidé d'enregistrer de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Là, c'est la raison pour laquelle j'enregistre. Bon. Alors, je voudrais donc dire que depuis octobre 2009, j'enregistre au vu et au su de tout le monde ici. Personne ne peut dire que personne ne sait ici que je n'enregistre pas. Tout le monde sait ici que j'enregistre. Donc, je voudrais donc dire que Monsieur le maire, en sa qualité de représentant de l'État, il est chargé sous l'autorité du préfet d'exécuter les lois et règlements. Donc, la loi autorise, et je vais vous en donner les textes, la loi permet à un conseiller et à une personne du public d'enregistrer en audio et en vidéo, ça veut dire que le public peut filmer, mais non, mais apparemment tu ne le savais pas. On a compris. Donc peut enregistrer en audio et vidéo les séances du conseil municipal. Il peut les diffuser notamment sur un site internet. Et il n'a aucune autorisation à demander, ni au maire, ni à son conseil municipal. Toutes ces informations-là sont sur mon blog depuis septembre 2010, où j'ai commencé à mettre sur le site internet suite encore à un mensonge du maire. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Donc il n'y a pas d'autorisation à demander. Non, je n'ai pas d'autorisation à demander. Je vais te dire une chose, que je peux répondre. Ah, je t'en prie, mais tu es enregistré. Puisque tu m'as posé une question, je vais te répondre. Parce que moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en début de conseil, tu ne dises pas, ça fait par mesure de politesse, que tu ne dises pas que tu enregistres, c'est tout. Mais je viens de t'expliquer que je n'ai pas d'autorisation à demander, et tout le monde sait. La loi, on peut passer outre la loi et dire, excusez-moi, je vous enregistre. Absolument pas. Je n'ai pas à le dire, parce que tout le monde le sait, mais il n'y a pas d'histoire de politesse, tout le monde sait. Mais attends, Monsieur Mérigeau, quand on a eu le Vidal pendant toute sa vie comme Bible, on sait que ce qui n'est pas prévu, eh bien, c'est pas prévu. Ce qui est autorisé, c'est autorisé. Je n'ai pas eu le Vidal que mon livre de chevet. Voilà. En tout cas, donc, je voulais dire ça. Je voulais dire qu'on a donc le droit, et le public aussi, d'enregistrer, de filmer, de mettre sur un site internet, et on n'a pas d'autorisation à demander. Parce que Mme Arnaud, on a l'autorisation, de ne pas y aller sur ton blog, c'est bon. Vous avez aussi l'autorisation de ne pas aller sous les blogs, mais vous avez l'autorisation d'aller sous toutes sortes de blogs et de sites internet de communes, parce qu'il y a des communes qui filment et les conseils municipaux et on les voit en direct. Voilà, donc vous avez aussi cette autorisation de ne pas y aller. Comme ça, vous n'avez pas d'information. Monsieur le maire, je voulais vous dire donc un petit mot par rapport à ce qui s'est passé quand même. Parce qu'il y a quand même j'ai été comme une délinquante face à la gendarmerie, hein, n'est-ce pas? Alors, monsieur le maire, je voulais dire que vous avez dit dans la presse que vous ne saviez pas d'où je venais. Alors, je suis stupéfaite d'apprendre que monsieur le maire, dans la presse, dit qu'il ne sait pas d'où je viens. Alors, pour votre information, je viens de la Martinique. C'est une terre française depuis 1635, c'est-à-dire bien avant certaines provinces de métropole. Alors, saviez-vous, monsieur le maire, que Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais, elle était une impératrice des Français, elle était reine d'Italie, et elle fut la première épouse de l'empereur Napoléon Ier. Je continue. S'il vous plaît. Je suis président de séance, s'il vous plaît, madame. Vous allez quand même. Je vous ai parlé de temps, il y a des gens qui travaillent demain. Ah, donc. Rose est très intéressant. Je vais je suis désolée. S'il vous plaît. Vous m'avez demandé l'autorisation par écrit pour prendre cette séance. Je vous ai demandé l'autorisation en début de séance. Moi, je vous demande de le demander par écrit, et on reverra un jour quand on aura le temps. S'il vous plaît. Alors, donc, monsieur le maire demande par écrit. Que je lui demande à prendre la parole. Et j'ai quelque chose à vous lire avant, parce que quand vous dites que c'est vous... incroyable. Laissez-moi finir, madame Arnaud. Je vous en prie, monsieur. Quand vous dites que vous avez la loi qui a une délibération, premièrement, il n'y a pas de délibération qui est prise. J'ai demandé un vote qui n'était pas à l'ordre du jour. J'ai demandé un vote par rapport à l'autorisation. Il n'y a pas de délibération. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Rien n'interdit a priori, à un particulier d'enregistrer les débats. Cependant,
Le maire peut interdire l'enregistrement des débats si ces enregistrements est de nature à troubler l'ordre public des travaux de l'Assemblée, Conseil d'État du 25 juillet 1980. Ah oui. Et alors, est-ce le cas? Alors, pour votre information, Madame Arnaud, quand le soir vous partez du conseil municipal, les gens restent, il y a des choses qui se disent après, et j'en suis désolé. J'en suis désolé que le débat soit consigné par vos enregistrements. Le débat est clos, je vais passer au vote. Qui est pour approuver ce compte-rendu? Qui s'abstient? Bon. Moi, je reviens toujours à juste dire, ça a été posé la question. Simplement, si c'est la loi, je ne veux pas voter hors la loi. Voilà, c'est tout. Voilà. Si c'est à voter hors la loi, je ne veux pas voter hors la loi. C'est tout. Mais après. Ouais. Je t'ai cité un arrêt. Non, non, mais attendez, Ce n'est pas un arrêt de la Cour d'État. C'est un arrêt du Conseil d'État. Voilà. C'est un arrêt du Conseil d'État. Non, non, non. Allez, oh, c'est une jurisprudence. Je ne veux pas le voter. Voilà. Voilà. Alors, le vote. Il y a 3 abstentions. 3 qui fait 3. 1, 2, abstentions. 4. Abstentions. 4 abstentions. Laurent dit. Qui est contre? Normalement, c'est contre. 2 contre. Non, 3. Ouais, mais moi, je ne suis plus. Je m'étais tout à l'heure, j'avais dit non tout à l'heure, donc je suis contre. Alors il y a 3 depuis le début. 3 contre. Je ne sais plus. Alors qui c'est les contre? Allez, 3. Michel, Fabrice et Colette. Six, 5 pour. Voilà. Pas plus. Mais je voulais juste rajouter un truc, comme ça en passant. Quand il y aura des débats comme ça qui sont hors l'ordre du jour, je me lèverai et je m'en dirai. Mais surtout que dans le cas présent, M. le maire n'avait pas besoin s'il estimait le déroulement des séances ne se faisait pas normalement. Voilà, en sa qualité de maire, il a les pouvoirs de police. Donc il n'avait pas besoin de demander au conseil de se prononcer. C'est fini. Nous allons passer au premier point de demain, un rajout à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Un UBI qui a été fait, c'est le renouvellement de la licence de Cegilog. Nous avons reçu la facture, on doit établir le titre de paiement. Le renouvellement. Alors, je vous demande de l'inscrire à l'ordre du jour. Qui s'abstient? Je suis contre. Qui est contre? Merci. 10, 1 contre. L'ordre du jour. Avenant numéro 3 au marché de travaux, lotissement Les Marauds. Pour le lot numéro 1, le lot numéro 1 du marché. Alors, vous avez copie de cet avenant qui est d'un montant de 4594,43 € CTC, qui est pour l'aménagement du bassin d'orage, les différentes noues qui doivent être vues avec un fossé qui va le fossé va être bugé et enterré. Voilà, un CD de travaux. Monsieur Falgaret a fait les documents. Les deux entreprises qui étaient caution solidaire sur ces travaux sont venues signer, la SCPR et la BTP. Et il faut le passer au vote pour pouvoir demander à l'entreprise d'intervenir, car ce sera la SCPR qui viendra. Je vous demande de pouvoir signer ce document pour la réalisation de ces travaux. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le point numéro 2 du jour. Convention financière, participation panneau Occitan.